وعليكم السلام، كدايرين لاباسكم؟ كلشي بخير هانيين. الو، نتمنى تكونوا بخير. اذا غادي نكملوا على لو كور ديالنا. بالنسبه لي بوكل، دونك كنا ديجا فيو لا بوكل فور، اونسويت اون فيو لا بوكل دو، دونك ميتنون اون فوار لا بوكل وايل. الو، لا سانتاكس دو لا بوكل وايل، دونك توجور اون كومونس بار لا وايل، اونسويت انتر بارونتيز فوز افي لا كونديسيون دو لا بوكل. Donc, c'est ce qu'on appelle la condition de la continuation. Donc, pour continuer dans la boucle, c'est-à-dire la condition doit être vérifiée. Donc, maintenant, on va répéter les instructions jusqu'à ce que la condition soit, tant que la condition plutôt est vérifiée. Tant que la condition est vérifiée. Donc, la boucle while permet de répéter les instructions tant qu'une condition est vérifiée. Ça veut dire qu'elle est vraie. On va voir l'exemple. Alors, dans l'exemple, ici, on a pris un script avec ici une variable $g égale à 1, on initialise à 1. Donc, tant que $g est inférieur ou égal à 15, donc bien sûr, $g va commencer à 1. Okay? Donc, tant que la valeur de la variable $g vérifie la condition, autrement dit, sa valeur il est inférieur ou égal à 15, on peut continuer dans la boucle. Donc, ici, bien sûr, on va mettre écho bonjour tout le monde. Okay. Ensuite, ici, vous avez echo br, ça veut dire un retour, pour faire un retour à la ligne. Alors, bien sûr, ici, comme vous voyez, pour que la variable $g atteigne la valeur finale qui vérifie, c'est-à-dire qui ne vérifie plus la condition, on doit incrémenter la valeur de la variable $g. C'est pourquoi ici, on a mis un compteur $g plus plus. Okay? Comme ça, on va incrémenter la valeur de cette variable. Alors, prenons cet exemple. En essayant de tester. Je vais le copier. Alors, je vais ici dans notre, voilà, notre éditeur Sublime. Je vais enregistrer ça. Je vais l'appeler, par exemple, toujours dans les boucles, je vais l'appeler exemple. Okay. Point PHP. Pardon, pardon. Donc, ici, exemple. PHP. C'est bon, j'enregistre. J'enregistre. Donc maintenant, on peut visualiser notre fichier. On va voir. Voilà. Donc, je vais revenir directement dans notre dossier principal, mon site web. Voilà, on est ici dans PHP licence. TP boucle. Alors, vous avez exemple.php. Donc, vous remarquez ici, le message a été répété 15 fois. On peut bien sûr s'assurer de ça. Vous avez le message « Bonjour tout le monde » qui a été exécuté combien de fois? 15 fois. Parce que ici, c'est-à-dire la variable de la boucle doit être inférieure ou égale à 15. Ça, c'est pour l'exemple. Donc, revenons maintenant à la suite du cours. Alors, la suite, ça sera bien sûr un exercice. Voilà. Dont l'objectif est de créer un script PHP qui dessine un tableau de n lignes, c'est-à-dire avec un nombre de lignes déterminées, et m colonnes, un nombre de colonnes déterminées, qu'on va saisir au clavier. Alors, donc, bien sûr, j'ai déjà fait cet exercice-là. Je vais vous montrer la correction. Donc, bien sûr, on va commencer par la création de notre formulaire. Donc, notre formulaire, donc on va utiliser un message ici, nombre de colonnes, avec un champ texte, avec le nom colonne, name colonne. Même chose pour le nombre de lignes, avec name line. Ensuite, on a besoin d'un bouton qu'on va appeler par name égale destiné, value destiné. Alors ensuite, on va faire le test. If set, c'est-à-dire si on clique sur le bouton destiné, qu'est-ce qui va se passer? On va tracer ici un tableau. En fait, on commence par la balise table. On peut, par exemple, remettre ça en haut. Il n'y a pas de problème, c'est la même chose, ça ne change rien du tout. Ok? Donc, on va récupérer d'abord le nombre de colonnes via la variable $c et le nombre de lignes demandé par l'utilisateur via la variable $l. On va tracer le tableau. Donc, on commence par la balise table, bien sûr. On va initialiser deux variables. Donc, on va initialiser la variable $cc à 1 et $ll à 1. Ça veut dire le nombre de colonnes à 1 et le nombre de lignes à 1. Ce sont deux variables qu'on va comparer avec, bien sûr, la variable qui contient le nombre total, le nombre final de colonnes et le nombre final de lignes ici.
Donc, on va mettre ici la boucle while. Donc, vous aurez deux boucles imbriquées, c'est-à-dire une boucle while à l'intérieur d'une autre boucle while. Alors, vous avez ici le nombre de lignes, puisqu'on va tracer, bien sûr, les cellules, ça veut dire dans une ligne, on va tracer les cellules une après l'autre, et ensuite, on va passer à la deuxième ligne pour tracer les cellules de cette deuxième ligne, et ainsi de suite. C'est pourquoi ici, on a choisi la boucle externe, c'est la boucle qui va s'occuper de tracer les lignes, okay, comme vous remarquez ici. Ensuite, bien sûr, on va utiliser écho TR, on a donné une hauteur pour les lignes, okay. Ensuite, on va passer à la boucle qui va tracer les cellules. C'est la boucle, bien sûr, qui a la variable $C. Donc, vous avez $CC, ici, la variable qu'on a initialisée, inférieure ou égale à $C, le nombre de colonnes données par l'utilisateur. On va tracer les cellules. Okay. On peut mettre ici, si vous voulez, un message. Sinon, on peut laisser vide. C'est pourquoi ici, j'ai donné une largeur, même si je n'ai pas de contenu à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est-à-dire, notre cellule aura une largeur standard. Ensuite, ici, vous avez $CC++. Ça veut dire, bien sûr, on doit incrémenter la valeur de la variable $CC pour arriver à la valeur finale. Alors, si on ne vérifie plus la condition, on va sortir. Ça veut dire qu'on a terminé le nombre de cellules tracées dans une ou bien dessinées dans une ligne. Alors, le problème ici, on a mis $CC égal à 1. Ça veut dire, parce que normalement, la variable $CC va arriver à la valeur finale, qui est la valeur du nombre de colonnes. Donc, on est obligé d'initialiser à nouveau. À chaque fois qu'on trace toutes les cellules dans une ligne, on doit réinitialiser la valeur de la CC à 1. Okay? Sinon, vous aurez du problème, bien sûr. Les lignes ne seront pas tracées. Ensuite, on va bien sûr fermer écho $TR. Et là, on va incrémenter le nombre de lignes. Donc, imaginez, on trace une ligne. Dans une ligne, on trace les cellules. Okay? Une fois qu'on finit avec la ligne, on commence à la deuxième ligne. Dans la deuxième ligne, on va tracer les cellules de cette deuxième ligne, ainsi de suite. Enfin, ici, on va fermer la balise table. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Maintenant, si on essaie d'exécuter ça, je vais essayer de revenir. Donc, je pense que j'ai déjà fait ça. Boucle table, c'est ça. Alors, pardon. Alors, tableau, la boucle, attendez. Ah, la boucle while. Voilà, ici vous remarquez, vous avez un nombre de colonnes. Par exemple, je vais donner 4. Le nombre de lignes, c'est 5. Je vais cliquer sur dessiner. Vous remarquez que notre tableau est tracé. Voilà, donc notre cours prend son fin. N'hésitez pas à donner vos questions bien. Proposez vos questions ou bien vos suggestions au niveau des commentaires lorsque, bien sûr, la vidéo sera publiée. Merci et à la prochaine fois.